Hola, soy José Tomás y vengo de España, concretamente je m'appelle de Thierry Tarragona. Henriot. Es mi ben Amorsal. Jit mi Jusol Carna. Io mi chiamo Borch, mi Rabat. Mi chiamo Cristian Maniscalco, vengo da Palermo, dall'Italia. E sono qui per frequentare il corso sul recupero e restauro di imbarcazioni di Via Mattei. Navigation du savoir, cioè la navigazione, il modo di passare il sapere attraverso il Mediterraneo. L'idea di questo progetto qua è di portare a Malta dei pezzi da tutti i nostri partners che vengono, non so, da Villefranche, da Barcellona, dall'Algeria, dalla Tunisia, e di presentare i punti d'incontro e i punti di scontro tradizionalmente e storicamente. Le mélange des civilisations. Vous avez Rome qui est installé dans toute la partie nord de la Méditerranée, puis le développement chrétien qui va se déployer au nord, en même temps que va se déployer dans le sud le monde arabe d'abord, puis musulman. Donc vous voyez qu'en permanence, la Méditerranée, c'est une espèce de grand chaudron, on s'y bat, et il y a en permanence des changements de civilisation. Nous sommes et saremo l'unico paese che parla una lingua, che chiama il suo Dio Allah. È l'unico paese che chiama il suo Dio Allah. Questo è una cosa divisa fra i popoli del sud. Questa è una cosa che ci fa da ponte, ponte naturale verso il sud. È l'idea del sapere che gira. Malta is a crossroad of the Mediterranean, a small country that has become part of Europe, a sign of enlargement of Europe towards the Mediterranean. Under its waves, all or most, lies still intact, waiting for young archaeologists, guided by an expert master, to bring back to the surface the symbols of a common history. L'archéologie marine est forcément quelque chose qui relie, parce que les épaves qui sont en France sont... j'ai travaillé sur une épave italienne, ou des épaves romaines, ou des épaves grecques. Les bateaux français sont coulés en Tunisie, en Grèce ou en Espagne. Donc, par nature, l'archéologie sous-marine rapproche les gens. Do your diving during the day, you have your lectures on the weekends and the afternoons. But one of the best parts of these courses is this cultural experience. You meet so many different people from so many different backgrounds. La Tunisie a un service de l'archéologie sous-marine, a des moyens. L'Algérie n'a rien. Elle n'a ni formation, ni législation, ni structure. Donc là, tout est à faire. Et c'est pour ça que j'ai fait de gros efforts pour que ces Algériens viennent. Et je fais de gros efforts pour pouvoir aller travailler en Algérie, parce que j'ai de bonnes relations avec eux. Je pense que ça peut être le point de départ de toute une organisation de l'archéologie sous-marine. The Iconos project was born to make the spreading of knowledge easier, here related to the restoration techniques. Sharing knowledge means also overcoming the geographical and economic barriers between the countries of the vast Mediterranean community. This is the first time that Maltese institutions coordinate European projects like Navigation du Savoir or Iconos.
It is not easy, and they are especially proud of it. We set up a satellite-enabled wide area network, which then enables completely interactive satellite-enabled video conferencing. And this year we've had 179 students from Algeria, Morocco, Jordan, and Greece, who together with Maltese students followed our courses on conservation in cultural heritage. Ça a été un enrichissement pour moi de suivre ces cours. Et à travers donc cette vidéoconférence, on pouvait être en contact avec tout le monde. En fait, je crois que l'Iconos Project, au fond, c'est justement de faire, de compenser ce manque qu'il y a au Maghreb et dans le contour méditerranéen. C'est de faire partager donc cette expérience. It's an amazing mix of people, and so what better way to be exposed to modern cultures as well, not just cultures of times past. Hay seis estudiantes que están haciendo un curso de clasificación de barcos antiguos en la Universidad de Malta, dos tunecinos, un francés, un español y dos malteses. Y como parte del curso, hoy salimos a navegar un poco para que vean cómo funciona la navegación en este tipo de barcos. Tunisien et natif d'une île méditerranéenne, et je suis là pour apprendre comment pouvoir réunir et préserver pour pouvoir communiquer. Ouais, le sujet qui nous réunit, c'est le patrimoine maritime, c'est la mer, c'était le lien de communication entre les hommes. Para mí es muy importante el mar y ese es un sentimiento, ¿no? No sé cómo explicarlo en palabras.